Hello, what's up les coco? On se retrouve pour la suite de Pumpkin Jack, le fameux jeu incroyable où tu récupères des épées et puis ça te met en lévitation. Regardez ça. Je ne touche pas le sol. C'est incroyable. On en est arrivé au niveau du marais moisi, ou du marais en tout cas quelque chose. Et une épée qui parle en plus. Attendez, j'espère que tu es prêt pour un cours intensif de manuel. Donne-moi l'épée. Ouais, si tu veux, vas-y. Ouvrir l'inventaire. Ah oui, je sais. Je peux changer d'arme à tout moment, si jamais. J'ai pas trop envie, parce que l'épée, elle est trop bien. Je peux toujours balancer nos petits corbeaux. Il y a toujours des hiboux qui nous regardent. Que je peux... que je peux faucher. Sans aucune... sans aucun scrupule. Puis voilà, ça reste du jeu de plateforme 3D. Moi, je ne comprends toujours pas comment certaines personnes ne peuvent pas aimer ce style de jeu. C'est tout ce qu'on veut dans un jeu vidéo. Enfin, moi, c'est tout ce que je veux. Après, apparemment, il y a des gens bizarres qui n'aiment pas ça. C'est... Oh, j'ai détruit le... J'ai annihilé le hibou. Ouais, il y a des gens qui n'aiment pas ça. C'est un peu étrange, quand même. Il y a des gens bizarres sur Terre. Bref. Je vous rappelle qu'on doit avancer, explorer et récupérer des petits crânes rouges. C'est notre monnaie dans le jeu. Bon, ben c'est pas de chance. Les hiboux ne sont pas adaptés au marécage. Moi non plus. Tu as 10 secondes pour me dire ce que je fais ici? Jack, n'as-tu pas confiance en ton compagnon de confiance? 8, 7, 6... Jack, je suis ton supérieur et tu vas me traiter avec respect. 4, 3, 2... c'est bon, pour Lucifer, je cède à tes enfantillages. J'ai suivi l'énergie magique liée au portail créé par le sorcier. Cette piste magique mène tout droit à ce marais et s'arrête ici. En cherchant un peu, on trouvera peut-être des indices sur sa destination suivante. Et ben voilà, tu vois comme c'est pas difficile. Oh la ferme. Parfait. C'est typiquement Banjo et Kazooie, ça. Il y a Banjo et Kazooie. Nous, on contrôle Banjo et Kazooie. Le hibou, il fait office de Bottle. La taupe. Et puis il s'insulte un peu entre les dialogues. C'est totalement la même chose. Est-ce que ça sert à quelque chose de détruire les roseaux? J'en suis pas si sûr, oulala. Quoi qu'il soit arrivé ici, ça a mal tourné. Ouais, c'est vrai qu'on voit des flèches plantées. C'est plus que des flèches, ça, c'est un peu des javelots, non? Vu la taille que ça fait. J'annule les hiboux. Et les épouvantails. Pas aller trop vite parce qu'après tu passes à côté des bonus qui peuvent être là-haut par exemple. Non, on pourra jamais aller là-haut. Nous ne laisserons pas aller là-haut. Le jeu est trop... Oh merde. Le jeu est trop indé pour qu'on puisse aller partout comme ça. Oh merde, mais attendez, j'ai foutu le feu mais je peux encore y aller. Ah oui. Mais attendez, là-bas ça a l'air bien. Là-bas, c'est la suite, donc là, c'est un secret. On dirait qu'on a d'accompagné. Comment ça? Mais non. Il y a deux chemins. L'ennui, c'est que si je vais là, je pourrais plus aller vers l'autre. Alors que si je vais là, je peux toujours revenir, tu vois. Faut penser comme ça. Ah, mais c'est pour le marchand en plus. Heureusement que j'y vais là. Heureusement que je vais là en premier. Alors ça, si c'est pas mon client préféré, qu'est-ce que tu racontes? Je ne peux pas te supporter. Et moi, je n'ai pas d'autres clients. Du coup, on a comme un problème.
Tu as de la chance que ton travail soit aussi exceptionnel. Ma mère me disait la même chose quand je travaillais dans l'atelier clandestin familial. Très bien, j'en ai 9. Donc ce sera pas assez pour acheter l'inspecteur. Ce sera pas assez. Ma foi, on va garder ce costume là, il est pas dégueu non plus. Les one shot même pas. Il sortait d'où en fait? Et ben voilà, on dirait que ça commence à rentrer. Ouais bon, il m'a pas fait d'entraînement à l'épée. Hein. Il a dit qu'il allait me faire un tuto à l'épée, il a rien fait. N'est-ce pas? C'est plus facile de péter les caisses comme ça. Bon, j'ai pas besoin de jus de citrouille. Ok. En bas, il y avait rien, on est d'accord. Non. Oh non, pas maintenant! Putain, c'est chaud! Non, en fait, ça va. Pour un pro-gamer comme moi, c'est pas chaud, mais. Pour quelqu'un qui n'aurait jamais fait ça, oui, ça pourrait être chaud. Wow! Ah, mais ils sont deux! Enfin, 3, 4, 5, 6! Putain. Putain, ma vie, elle a fondu à une de ses vitesses. Puis ils font mal, ceux-là. Ils font terriblement mal. Ok, si je pète la table, il y aura du feu. Donc on va pas le faire cette fois. On apprend de nos erreurs. Mais en même temps, en pétant les fougères... En pétant les fougères, j'ai des points de vie, donc finalement, pourquoi avoir peur? Regardez ça, je pète les fougères. Qu'est-ce que c'est que ça, là-bas, il y a un truc qui bouge. Ah, c'est un rondin! C'est un rondin de bois. Oh, vous avez vu ce que j'ai vu? Et voilà. Il commence à être bien planqué, les crânes rouges. Dans le sens où si je l'avais pas vu, celui-là, j'y serais pas allé. J'aurais pas suivi les bateaux comme ça, tu vois. Il fallait que je le voie d'abord. Quoi en autre? Ok. D'abord des squelettes fantômes et maintenant des bois fantômes. On peut avoir droit à des cailloux fantômes. Ouais, j'avoue, le bois il disparaît. Ah, d'accord. J'ai cru que je rêvais au début ou bien que c'était le jeu qui buguait, mais non. Le bois il disparaît. C'est du bois fantôme, effectivement. Qu'est-ce que c'est que ça? Encore le marchand? Qui c'est ça? Eh bien, un nouveau visage, c'est toujours un immense plaisir de croiser une nouvelle tête. Qui es-tu? Je suis un marchand de la région, je m'appelle. Je ne crois pas t'avoir demandé ton nom et je ne compte pas le faire. Très bien, dis-moi, toi, qui es-tu?
Je m'appelle Jack et je suis à la recherche d'un détestable sorcier qui est susceptible de passer par ici. Tu as dit Jack comme le Jack? Tout dépend de quel Jack tu as en tête. Le Jack qui a réussi à tromper le diable, pas une, pas deux, mais trois fois. Ah, la plupart des gens oublient la troisième. C'est exact, vieil homme, je suis bien ce Jack-là. Oh, c'est fantastique, hurra. Elle va être si heureuse. De qui parles-tu, espèce de vieux fou? Oh non, rien, je viens juste de me rappeler que j'avais une affaire à régler dans le coin. Je t'en prie, viens me retrouver un peu plus tard sur la route. Je pense qu'il est possible que je puisse t'aider. Très bien. Je ne peux décemment rien refuser à un admirateur. Plus tard sur la route. Oh, il va nous faire le dialogue, vraiment. Oh putain, on peut les passer super vite, ça c'est cool. Ok. Viens me voir plus tard sur la route. Comment ça? Ok. Je suis le seul à ne pas lui faire confiance. Ouais, franchement, pour l'instant, je sais pas. On verra plus tard. Est-ce que c'est si fort que ça, cette attaque? Putain, mais ils sortent d'où, ceux-là? En plus, il balance des trucs. Le temps que je me mette, le temps que je saute et que je balance mon truc comme ça, ils ont le temps de m'attaquer. C'est pas rentable. Les squelettes fantômes, ils sont faciles à battre, mais ils sont si nombreux et ils font si, ils envoient des projectiles surtout. C'est ça qui fait chier. Ok, je peux aller là-haut et je peux aller là aussi. Ok, l'eau, ça fait très mal. L'eau, ça fait très très mal. Première fois que je tombe dans l'eau. Attends, on est où, là? Oh, on va se refaire tout. Je l'ai déjà pris, ça compte comme pris. Très bien. J'étais mort en allant là. Ça sert à rien d'aller là en fait. Rien du tout. Attends, quoi, il est pas mort? Ah, deux coups. Ouais. Ah ah! Putain, heureusement que j'ai bien regardé, hein. Parfait. Puis voilà. C'est vraiment le marais puant de ukulélé, ça.
Un niveau qui était horrible d'ailleurs. Oh, vous avez vu ça? Il y a un petit parcours à faire ici. Ah bah d'ailleurs, c'est le seul endroit où je peux aller. Donc, allons-y. Ne va pas trop vite, Jack. J'ai le vertige. Oula. Oula. Ça pour ça. J'ai fait un carnage. J'ai encore toi à apprendre, petit scarabée. Ouais, ta gueule. J'ai perdu quelques points de vie, ok, mais est-ce que ma barre de vie est pleine maintenant? Oui. Voilà, c'est tout ce qui importe. Ok. Ça a ouvert un chemin ici. Bon, c'est le seul chemin à prendre. En fait, il n'y a qu'un seul chemin du début à la fin. Ok. Ah bah c'est de nouveau lui. Avec son cheval. Cheval fantôme, apparemment. On peut le tuer le cheval? Non. Ah Jack, tu revoilà. Je suis si heureux de te croiser à nouveau, je voudrais te parler de ma femme. Déjà, tu ne m'intéresses pas particulièrement, pourquoi je voudrais entendre parler de ta femme? Elle t'admire depuis des siècles, c'est ta plus grande fan. Continue, je t'écoute. Nous sommes mariés depuis 343 ans, elle ne me parle de tes récits. Et elle me parle de tes récits depuis nos débuts ensemble. Nous avons passé tant de nuits à évoquer tes ruses, tes escroqueries. Il se trouve également que c'est une puissante sorcière. Je suis d'ailleurs ici pour ramasser des champignons pour sa concoction la plus élaborée. Une sorcière, hein? Ça pourrait m'être utile. Ce sorcier est puissant et malin. J'ai besoin de toutes les informations qu'elle pourrait me donner à son sujet. Je suis sûr qu'elle serait ravie de t'aider, mais je dois trouver ces champignons avant tout. Si tu pourrais m'aider à les trouver, je te mènerai à elle. Pourquoi devrais-je suivre cette ridicule quête secondaire? Tu peux pas juste me dire où la trouver? Seul mon cheval peut te guider jusqu'à elle. Trouve le champignon et tu pourras monter. Oh, encore une stupide exigence de scénario. Bon, je vais te ramasser ton fichu champignon. Je te reconnais son nom, je vous dis. J'ai voulu trouver un champignon. T'as qu'à prendre les mycoses que t'as entre les jambes, bouffon. Désolé, c'est sorti tout seul. Bon voilà, il est là, on l'a trouvé. J'adore les champignons, j'en mange depuis mon enfance et je ne peux pas m'arrêter. On va pas lui prendre celui-là plutôt? Celui-là il est très bien, non? Bon vas-y, c'est par où? Prendre le champignon. Oh! Mais ça fait tellement Donkey Kong 64 en vrai.
tellement. Oh quoi? Abuse pas. Super. Ok. Oh putain. Oh shit! T'inquiète, je t'ai vu toi. Fuck! Oh c'est bon! J'y croyais tellement pas. Oh non, ça crame. C'est bon? Ah non, je peux pas rebondir là-dessus. Moi, je vais devoir faire ce petit jeu là. Allons-y. Ça jazz. Attends, refais-moi ça. Ok. Ça c'est Banjo-Kazooie 100%. 100%. Et voilà. Qu'est-ce donc? Celui-ci est splendide, Jack, apporte-le-moi. Qu'est-ce que tu veux? Ah, je peux passer par le portail. Ok. Eh bien voilà. On verra la prochaine fois ce qui se passe quand on apporte le champignon au marchand. Ça va sûrement être palpitant. Je vous laisse le suspense pour la prochaine fois. Je vous dis salut, salut, et à la prochaine. Ciao, ciao.